Salut Anton. Salut Thomas. René. Oh, René, live avec nous ce matin. Salut Alexis. Salut Frank. Tu lâches pas mon Frank. Salut Josh. Michael, Samuel. Comme d'habitude, salut Elliot. On va se laisser un petit peu de temps. Encore un bon 30 secondes, près d'une minute. Salut Chantal, salut FX, salut Manu. Hey, je suis content de voir aujourd'hui, je suis content. Michael, salut Marie, salut Nicolas, salut mon GF, salut Vince, Joël, salut Joël, Elliot. Hey, on a nos réguliers, c'est bon ça. Hey, on va être en forme, hein? Quand la saison va partir, on va être en forme pour vrai. Salut Hugo. Salut Evelyne. Allô Rana. Dylan. All right. Alors, on se donne 5 secondes encore. Good. OK, on part ça, guys. Salut les athlètes et parents d'athlètes. Coach Goyette pour Goyette 360. Hey, 30e entraînement aujourd'hui. Wow! On a tenu le coup, on est bon, on lâche pas doucement, ben on commence à sortir, l'école commence. Je sais qu'on va être moins nombreux peut-être en direct, mais au moins je sais que vous êtes une grande partie des gens qui le font en replay et j'adore ça parce que je vous félicite parce que c'est pas facile des fois en terminant ta journée ou après, peu importe, dans l'après-midi, c'est pas toujours évident. C'est le fun le matin, tu te lèves, tu passes au travail, bingo, c'est fini, mais pour d'autres, c'est pas toujours évident. Alors, félicitations à vous tous parce que ça prend du courage puis de la discipline. Là, je veux juste voir quelque chose parce que je pense que la lumière, elle s'éteint. C'est-tu correct? Ouais, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Correct. Parce que c'était plus clair tantôt. OK, aujourd'hui, entraînement Tabata, c'était pas ça que j'avais prévu. Honnêtement, c'était pas ça que j'avais prévu. Aujourd'hui, je vous dirais, je vais être honnête avec vous autres, je suis pas à 100% de ma forme physique, comme vous avez pu voir, ceux qui étaient là au dernier entraînement, je me suis blessé, ça va beaucoup mieux, mais je veux pas l'aggraver parce que au prochain training, je te réserve une surprise, mon athlète. OK? Je t'en parle pas tout de suite. On va se concentrer sur le moment présent, OK? Puis, pareil comme dans un match, j'ai quelque chose à te demander, puis c'est comme ça que j'aimerais que tu fasses ton entraînement aujourd'hui. C'est que, pareil comme dans un match, en série éliminatoire, dans la Ligue nationale, peu importe, dans une équipe de hockey, quand t'as un joueur qui est blessé, ben, il faut que tu compenses. OK? Alors, je veux que tu fasses la même chose. Ça se peut qu'il y ait des choses que je fasse pas aussi intensément, puis ça se peut qu'il y ait des choses que je fasse un petit peu pour te partir, puis je m'en aille t'encourager. Ben, toi, je veux que tu donnes ton 100%, puis même 110. OK? Il faut que tu m'aides. Fait que, faut compenser avec ça, faut faire un bon entraînement, faut pas que ça descende, faut livrer un bon match, puis on veut gagner le match. All right? Fait, j'ai besoin de toi, on lâche pas, on se donne. Aujourd'hui, donc, Tabata, on va faire la même chose que d'habitude, 9 exercices, 3 Tabata par période. Et puis après ça, ben, on va voir si on a une supplémentaire, dépendamment comment on va filer. Ça va? Mais les exercices sont à peu près les mêmes que. Mais j'ai tout mélangé ça. Puis là, on est rendu comme une coche en haut. Fait que, c'est sûr, j'ai des burpees, puis j'ai des Turkish pour toi. OK? Fait qu'on a tout ça, on a tout un gros training aujourd'hui. On est rendu là dans notre développement. Alors, on continue ça, on va garder le mindset, puis on lâche pas ça. Ça va? Donc, on commence avec l'échauffement. On va tourner la cheville. On lâche pas. 4-5 fois. Maintenant, on tourne de l'autre côté. Même chose. 4-5 fois. Puis aujourd'hui, on n'a pas besoin de rien. Pas besoin de rien. Juste notre bouteille d'eau, notre serviette. On change de côté, même chose. Change de jambe. On tourne. On revient de l'autre côté. Doucement. All
right. Maintenant, on va aller aux genoux. OK? On y va. On colle les pieds. On colle les genoux aussi. On fait des cercles. Vas-y doucement. On s'échauffe. C'est pas notre entraînement. T'as vu l'autre jour, je fais tout comme il faut, puis je me suis blessé. Fait que ça arrive. Ça peut arriver. Fait qu'il faut faire attention, puis il faut bien répondre. Une fois que c'est arrivé, ben il faut bien répondre. Fait que je me suis reposé. Je me suis étiré. Je me suis roulé. J'ai tout fait ce qu'il fallait faire. Fait que ça va beaucoup mieux, mais je veux pas l'aggraver parce que le prochain workout, ça va être solide. On revient. Good. On va aller avec la taille. On tourne. Good job. On push. Lâche pas. Ça s'en vient, là. Tranquillement, c'est le déconfinement. On va voir ce que ça va donner. Bientôt, on va sortir un peu plus. Fait qu'il faut se préparer. On tourne l'autre côté. Ah ouais, lâche pas. Good. Pousse les hanches. Un dernier tour. Parfait. Maintenant, on monte en haut. On va aller faire les épaules. Même chose. On tourne. Tourne. Yes. On tourne ça. On lâche pas. Vers l'avant maintenant ou de l'autre côté. Si tu allais vers l'avant, on va aller vers l'arrière. Tourne. Good job. Maintenant, on va aller avec les bras. Tourne, puis je veux que tu ouvres la poitrine quand tu vas tourner. Good. Faut que ça ouvre. Lâche pas. OK, pars en avant maintenant. Tourne. Yes. Lâche pas. OK. Maintenant, on ouvre les jambes. On va aller faire nos trois points touch. Donc, touche en arrière. Étire, contracte les fessiers en étirant. 2, 3. Hop, lâche pas. Yes. Hop. Touche et touche. On monte. Dernier. Good job. Maintenant, on va aller toucher nos pieds avec le bras opposé. Touche. Come on. Touche. Lâche pas. Un autre chaque côté. Yes. Parfait. Maintenant, thoracique, on ouvre. On s'en vient bon, hein? On a une belle petite routine. On lâche pas. On ouvre. Expire. Ouais, oublie pas ta respiration, c'est important. OK. Un dernier de chaque côté. Parfait. Maintenant, on tire le genou, on lève le bras opposé. T'es prêt? On y va. Tire. Tire. Exact. On en fait 3 à peu près de chaque côté. Un autre de chaque côté. Yes, l'autre côté. Parfait. Maintenant, on tire le genou. Yes. Good job. C'est bon. T'es pas mal bon. Lâche pas. Un autre de chaque côté, t'es bon? Un dernier. Parfait. OK, good. Là, on va aller voir qu'est-ce qui se dit. Prends une gorgée d'eau. Parfait, ça. Tu vois, il y en a à 11h, ils vont le faire. Il y en a, ça va être à midi. Je sais que tu as probablement de l'école à la maison à faire. C'est correct. On se revoit là. On va se revoir tantôt. OK, on prend une petite gorgée d'eau, on part. Premier exercice, on y va avec push-up puis squat. Ça, c'est pas mal mes préférés pour commencer parce que je veux être certain qu'on va s'échauffer comme il faut. Chacune des articulations nécessaires. Donc, 3 points de flexion en bas, puis 3 points de flexion en haut. Alors, on va échauffer tout ça. On commence avec push-up, 20 secondes. On y va avec squat, 20 secondes. Tu prends ton temps, puis on fait ça comme il faut. T'es prêt? Come on, sans plus tarder. 3, 2 et 1. Oui, push-up. Déjà mélangé. 2. Yes. Là, je m'en allais content en plus, tu vois. Come on. On lâche pas. Descends, colle les omoplates. Ouvre la poitrine. Puis, comme je dis toujours, si tu veux, vas-y sur les genoux. Ça va? T'es pas obligé d'aller vite, là. C'est tellement important. OK. On y va. 4, 3, 2. T'es prêt? Let's go. Down. Oh my God. Je la sens un peu, mais c'est surtout parce que là, c'est raide. Puis, j'ai pas bougé. Fait qu'une fois que je vais être échauffé, d'après moi, ça va aller mieux. Ah ouais. Come on, je te lâche pas. Puis tu me lâches pas.
Puis comme je dis toujours, moi, ma phrase, c'est « ensemble, c'est plus facile ». Let's go. On va passer au travers. Yes! OK. Let's go. On retourne. Dans 4, 3. T'es prêt? 2. Position push-up. C'est parti. Contracte les omoplates. Good. Garde la tête droite. Oui, t'amènes ta poitrine entre les mains. C'est ça le plus difficile, en fait. Puis tes mains, je vais t'en parler tantôt. 8 secondes. Good. 4, 3, 2, 1. Good. Quand tu fais des push-ups, je l'ai vu dans des vidéos, tu ne mets pas tes mains vers l'intérieur. Faut-tu mettre tes mains droites ou légèrement vers l'extérieur? Puis une fois que tes mains sont au sol, faut que tu pèses dans le plancher, puis comme si tu voulais déchirer le plancher. Mais ça ne bougera pas. Puis ce que ça va faire, ça va t'aider à placer tes coudes puis tes épaules dans le bon positionnement. Puis de cette façon-là, ben, tu vas, 2, 1, je vais le mettre un petit peu plus fort. Mais de cette façon-là, ça t'évite des blessures à l'épaule. OK, dans 4, 3, 2, 1, let's go, on y va. Push-up. Yes, lâche pas mon athlète, come on. Donc, les mains droites, puis tu veux faire comme ouvrir, comme si tu voulais déchirer le plancher en avant de toi. Lâche pas. Good. Good. C'est compliqué de faire des push-ups, hein? 1. C'est que dans le fond, quand tu commences à faire des exercices, c'est comme ça que tu dois penser à toutes ces petites affaires-là. Puis à un moment donné, tu n'auras plus besoin d'y penser. 2, 1, let's go. Squat. Chest up. Lâche pas. Good. Ah, ça va bien. Tu vois déjà, je vois une différence. Fait que je pense que je vais être capable de t'accompagner. On va voir les autres mouvements. Come on. 5 secondes. Let's go, mon athlète. Yes. Good. Tu vois, je suis capable de descendre, c'est bon. OK, un dernier. Push-up. Dernier tour. 2, 1. Come on. Colle les omoplates. Good. Tête droite. 10 secondes. 5, 3, 2, 1. Beau travail. On s'en va en squat. On se place. Pied largeur des épaules. 2, 1. Garde les genoux larges. On ne veut pas que les genoux rentrent vers l'intérieur. Lâche pas ça. Good. Good. Très bon. Yes! OK. Premier il est fait. On se garde le son. Petit son de la victoire. Hein? Oui, monsieur. OK, prochain. On va faire Superman. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, celui-là. Puis c'est vraiment important de travailler ça, d'aller travailler nos muscles qu'on appelle la chaîne postérieure, tout le derrière, le dos, les fesses, le derrière des jambes. Ensuite, on va faire back lunge. Donc, on va descendre par en arrière, puis on descend le genou, puis on alterne de jambes. T'es prêt? Let's go! C'est parti. 3, 2, Superman. 1, on y va. Contracte tes fessiers. Lève les pieds du sol. Garde les mains dans les bras, dans les airs. Puis fais un V. Omoplate. Allonge. Yes. Puis quand tu descends, pour aller contracter tes omoplates, je veux que tu pousses tes épaules vers le bas, comme si tu voulais les mettre dans tes poches en arrière. On va au lunge. Bon, on va voir comment ça va aller. Good. Je pense que si je vais lentement comme ça, je vais être correct. Ah ouais, on lâche pas. Good job. Good. Yes. Lâche pas, mon athlète. Come on. 2, 1. Parfait. Superman encore. On retourne. On allonge les bras. T'es prêt? Let's go. Contracte. Ouais. Va porter tes omoplates dans tes poches. Tire. Yes. Puis expire. Contracte les fessiers tout le temps.
Come on. Come on. Good job. 5 secondes. 3, 2, 1. Oui, monsieur. Let's go. On s'en va au lunge. Je vais le faire devant toi cette fois-là. Puis, je vois. Let's go. Good. Yes. Oublie pas, tes bras sont importants, hein? Bras opposés devant. Good job. C'est ça. Lâche pas, mon athlète. Come on. Good. Respire. Beau travail. Keep it up. Good. Est-ce qu'on voit bien? Ça va bien? Ouais, ça va. OK, good. Superman, 3, 2, 1, let's go! Contracte, allonge. Good. Ah ouais, come on. On est parti, là. Première période, là. Première période, c'est toujours pour s'échauffer un peu. Puis après ça, boum, on va lever l'intensité. Contracte. Contracte. Good. Puis tu vas le sentir aussi beaucoup dans le bas de ton dos. C'est important pour que tu sentes ces muscles-là contractés, mais tu ne veux pas trop lever le corps pareil. On rajoute de la tension. On ne veut pas trop mettre de contraction dans le bas du dos. Good. Yes. Je suis pas mon athlète. Good. Il est bon. On s'en vient bon, hein? Les mouvements, on les a bien. On prend notre temps. C'est ça qu'il faut. 5, 3, 2, 1, let's go. Yes. Contracte tes fessiers. On regarde au sol. Tu veux garder la tête droite. Oh, respire. Yes. C'est important. Come on. 3, 2, 1. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il en reste un. Lunge arrière. Come on. 2, 1, c'est parti. Let's go. Respire comme il faut. Oui. 10 secondes. Good. 5, 4, c'est ça. 2, 1. Woo! Good job. OK. On prend un petit repos. On va attendre le bruit. On prend une petite gorgée d'eau. Beau travail. OK. C'est important, hein, ton eau. Très important de boire. Puis je le sais, il y en a dans vous autres qui ne boivent pas durant la journée. C'est important de boire de l'eau dans la journée. OK. Maintenant, plank jack. Là, on va faire position push-up. Et là, c'est les jambes qu'on va coller. Ouvrez et collez, ouvrez et collez. Ça va? Donc, position push-up, ouvre les jambes, ferme les jambes comme un petit saut. Tu vas essayer de garder de là jusqu'à ton fessier stable, OK? Faut pas que ça creuse, faut pas que ça lève, faut que ça laisse, faut que tu essaies de garder ça droit. Ensuite, on va faire football run. Football run, on ouvre les pieds larges, qui est quasiment à la largeur des épaules. Tu t'en rappelles avec le ballon, on le faisait à l'avant-dernier workout, je pense. Donc, là, ce qu'on va faire, on va piétiner super rapidement. T'es prêt? On conclut la première période avec ça. 3, 2, 1. Plank jack. Ouvre, ferme. OK? Ferme, ouvre, ferme, ouvre. That's it. Comme des jumping jack, sauf qu'on est en planche. Garde ton haut de corps solide, sans les abdominaux. Tu veux quand même amortir avec tes orteils, hein? Tu veux pas que ça cogne fort dans les orteils. OK, les pieds larges. T'es-tu prêt? Dans 5, come on. 4, 3, ready? 2, 1, let's go. Portion cardio. On lève les genoux. Puis on piétine. Tu peux même te déplacer si tu veux. Ah ouais, come on. Lâche pas, lâche pas. On respire. Quick, quick, quick. Quick feet, quick feet. 3, 2, 1, good job! Woo! C'était bon! OK. Position push-up. 3, pieds larges. 2, 1, let's go. C'est parti. Good. Good. Allez, lâche pas. Large et 3. Large et 3.
9 secondes. Let's go, mon athlète. Come on. 3, 2, 1. Yeah. Yeah. Woo! Come on. Pieds larges. J'aime ça finir sur une bonne note de cardio. 3, 2, 1. Let's go. Let's go. Lâche pas. Come on. 10 secondes. Comment t'es capable? 5, 4, 3, 2, 1. Ouh. Hey, les mollets, là, hein? Tu le sens-tu? T'es bon? Oh, 3, 2, let's go. Lâche pas. 1, c'est parti. Come on. Ah ouais, mon athlète. Come on. Good. Ouvre ferme. On est bon ce matin. Come on. 5 secondes. 2, 1. Good job. Très bon ça. OK. Les pieds larges. 2, 1. Oh, c'est parti, c'est vrai. On allait la faire du quick feet. Pas le bon mouvement avant tout. Ah ouais, let's go. Bouge les pieds. Come on, 10 secondes. Oh, let's go. Ah ouais, come on, come on, come on. Lève les genoux. Good job. Ouh. On se replace. 5 secondes. Plank jack. 2, 1. Let's go. C'est le fun parce que c'est les mêmes exercices, mais ils ne sont pas placés dans les mêmes séquences. Ils ne sont pas jumelés toujours les mêmes ensemble. Fait que ça amène une autre dynamique dans ton entraînement. Come on. 2, 1. Good job. On lâche pas. 3, 2. Come on. 1, c'est le dernier. Football. J'ai eu des beaux messages au dernier entraînement parce que c'était dans les jambes comme il faut. Hein? Je l'ai senti hier matin. Oh, let's go. Keep it up. Let's go. On lâche pas les jambes. Bouge, bouge, bouge. 3, ça brûle. 2, 1. Woo! Good job, mon athlète. Oh yeah. On prend une gorgée d'eau. 2, 1. Et oui, fin de la période. On va dire qu'on a l'avance parce qu'on a bien travaillé. OK. Deuxième période. Plank. Coude, main. Donc, on fait la planche, on monte sur les mains, puis on redescend sur les coudes. Oublie pas, je veux que tu mettes tes coudes puis tes mains au même endroit. OK? Quand tu descends sur tes coudes. Quand tu remontes, tu mets ta main où ton coude était. Ça va? Ensuite, front lunge. Donc, on va aller faire des fentes, des lunges par en avant. Tu vas aller en avant, en arrière, l'autre côté, et on revient. On va alterner. Ça va? Puis je veux que tu prennes ton temps, puis j'aimerais que tu descendes assez bas. OK? Pour améliorer notre force des jambes, puis de travailler dans une pleine amplitude. OK? Faut pas faire des demi-mesures. C'est pas payant pour nous autres, ça. OK? T'es-tu prêt? On est bon? On recommence ça. Juste aller voir si tout va bien. Oui? OK, ça va bien. On lâche pas. On lâche pas. OK, c'est parti. 3, 2, planche, coup de main. Let's go, c'est parti. Prends ton temps. Lève, puis redescends. Puis va lentement. Pourquoi? Parce que tu veux pas que ton haut de corps ou ta taille ici, ça bouge. Faut que tu essaies de stabiliser cette partie-là tout en faisant ton mouvement. Donc, tes bras travaillent beaucoup parce qu'il faut que tu pousses, puis tes abdos aussi travaillent. All right. Front lunge. En avant, en arrière. T'es prêt? 3, 2 et 1. On y va doucement. On revient. L'autre. Good job. Ça va bien, mon affaire. Je suis content. J'ai bien fait mon travail. Mais là, à cause de ça, regarde bien le prochain workout. Oh!
Je t'en parle tantôt. Let's go, lâche pas. Yes. On reste dans le moment présent, on a besoin de notre énergie. On garde le focus. Coup de main. Deux. Un. Let's go, mon athlète. Hop. On descend. Good. Hop. On descend. Puis là, des fois, tu peux changer de main qui commence. Good. Up, up, down, down. Up, up, down, down. Le corps bouge pas. C'est ça qui prime. Up, down. Beau travail. On retourne au lunge. J'aime ça, t'es bon. 3, 2, 1, c'est parti. Des beaux lunges. Descends, parfait. On fait pas de demi-mesure. Pas payant. C'est mieux d'en faire moins, mais d'en faire des beaux. Good. La qualité passe en avant de la quantité. C'est pas important, ça. OK. Come on. 5. 3. 2. On se prépare. On monte. Let's go, mon athlète. Come on. Down. Yes. Good job. Good. 8. Come on. 4. 3. 2. Yes. Good work. Good work. High five virtuel. Lâche pas. 2. 1. Good. On respire. Good job. Good job. Allez. 8 secondes. Good. 2. 1. Yes. Très bon. Il en reste un check. Come on. 3. On se prépare. 2. 1. Come on. Up, up, down, down. Lâche pas. Garde le tronc solide. Serre fort ton ventre. Tire le nombril. Good. Tu peux changer de bord. Good job. Woo! Woo! Come on. Dernier. Hey, ça va bien. 2. T'es prêt? 1. C'est parti. Let's go. Back. C'est ça. Prends ton temps. Garde les genoux bien alignés avec tes orteils. Va pas trop loin avec ton genou. Puis mets pas trop tout le poids sur ta jambe arrière. Si t'es en avant, push back. En avant, descend, pousse. Puis il faut pas que ce soit, surtout, yes. Faut pas que ce soit, quand tu descends, surtout, ton haut de corps qui fasse que tu remontes. C'est vraiment ta jambe, yes, qui fait la poussée. Ça va? OK. Prochain. Next. On va faire... Ça y est, on est arrivé. Burpees. On va faire burpees. Et on va faire encore une fois une planche. Mais là, cette fois-là, on bouge pas sur les coudes. Mais ce qu'on va faire, c'est que là, on va être couché et c'est notre bassin qui va aller comme toucher les côtés au sol. Comme ça. Ça va? Donc là, on va travailler les obliques forts. Travailler encore vraiment tout le corps. Et avec le burpees, ben le but, tu le sais, c'est un peu de nous achever puis de nous achever puis rentrer dedans. Mais on est capable d'en prendre. OK. T'es-tu prêt, mon athlète? Ouh! C'est bon ce matin, j'aime ça. Je suis content. Je m'attendais au pire. Dans 3, let's go. 2, 1. Pas le fun d'être blessé. Ouh. Lâche pas. Good job. Ouh. On remonte. Yes. Keep it up. 8 secondes. Comme il faut. C'est pas grave le nombre que tu vas faire. Good. Planche. OK, on fait la planche. Coude. Puis là, pied large. Puis tu vas tourner tes pieds un peu sur le côté quand tu vas bouger tes hanches. Puis à chaque fois, remonte un peu. Plafond, descend. Plafond, descend. Tu vas sentir tes obliques. Puis même un petit peu au niveau des hanches. Respire.
Good job. Good job. Yes. Lâche pas. Let's go. 3, 2 et 1. Let's go, les burpees. On saute. Good job. Lâche pas. On est bon de 2-3 encore. Yes! 2 de fête! On respecte. C'est demandant, hein? C'est tout le temps au niveau de cardio que c'est demandant, ça. Let's go. J'ai pas faim, j'aurais pu mettre des planches normales. Ben non. On va se donner à vie dure un peu. Allez, lâche pas. 5 secondes. T'essaies de stabiliser les épaules. Yes. Bon, 5 secondes. 3, 2, 1. Let's go. Come on, lâche pas, mon athlète. C'est la partie difficile, ça. Come on. 3, 2, good. Good job. Pas facile, hein? 3, 2, 1. Let's go. Sur le côté. On tourne. Good job. Puis si tu commences à être fatigué, tu peux aller sur tes genoux. Fais tout de même la même chose, tu sais. Tu essaies quand même de bouger tes hanches. 2, 1. Ouais. Good job. Dernier burpees. Ah ouais, on est capable. 3, 2 et 1. Let's go. Let's go. Dernier burpees. Let's go, mon athlète. On lâche pas. On n'est pas des lâcheux. Come on. On est fort. On est capable. Tout est dans la tête. Yes, faut pas que tu t'écoutes. Good. Good job. 5 secondes. On s'installe doucement. 3, 2, 1. Let's go, mon athlète. Colle les pieds un peu. Yes. Même les épaules, c'est dur. Lâche pas. Respire. Garde la tête droite. 3, 2, 1. Woo! Yes! Beau travail! Hey, il était dur, lui. 2, 1. Et oui, le son de la reconnaissance. Elle a plusieurs vocations, cette sonnette-là. Good job! OK. Le prochain. On termine la troisième là-dessus. On va faire couché sur le dos. Les mains en dessous des fessiers. On va faire des leg raises. Là, je veux pas que tu ailles porter ta tête au sol en tout temps. Même quand tu es fatigué, je veux pas que tu fasses ça. OK? Je veux que tu regardes toujours tes genoux pour rester engagé. Puis pas blesser ton cou, OK? Ensuite, on va faire high knees running. On court sur place, puis on lâche pas. C'est bon? Ça rentre au poste, Nico, hein? C'est solide ce matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Tabata. OK, les machines, ready? On part ça avec lying leg. Oups! Attends une seconde. OK, c'est parti. 3, on se couche sur le dos. Les mains en dessous des fesses. Garde la tête soulevée. Good. Puis colle les pieds ensemble. Fais une pression avec tes pieds comme si tu tenais une feuille de papier. Expire en montant. Good job. T'es bon, c'est ça. Garde la tête en haut. Parfait. 3, 2, 1. Yes. Ça fait toute la différence, ça. C'est ce qu'il faut. OK. High knees running maintenant. 3, 2, 1. Come on. J'aimerais que
tu sais, je peux pas lever beaucoup mes genoux parce que ça me tire un peu. Je veux que tu lèves tes genoux très haut. OK? Tire haut. Tire. Ouais, si t'es capable, tire. Garde les bras fléchis puis les abdos bien engagés. 3, 2, 1. Parfait. De toute façon, les abdos, plus que tu bouges tes bras, plus qu'ils vont s'engager. Garde la tête soulevée. 2, 1. Let's go, mon athlète. C'est parti. On finit la troisième, là, fort. Good. Ah ouais, come on, t'es capable. Yes, garde les mains sous tes fessiers. Garde la tête haute. Lâche pas, je veux pas que tu descendes ça. 2, 1, yes. Yes, puis si t'es capable, là, puis c'est ce qu'il faut faire, je veux que tu lèves aussi tes épaules du sol. Tête, épaules soulevées. Go, oh ouais, come on. Let's go. On lâche pas. Respect, c'est comme si on courait normal dehors. Bout des orteils, bras fléchis, en avant, en arrière. Let's go. 3, 2, 1. Yes. Good job. On lâche pas. Il en reste 2. Come on. 3, 2, 1. C'est parti. Lâche pas, garde les épaules soulevées. Expire. C'est ça, respire. Gère ta respiration, puis pense à ta tête et tes épaules. Le reste, ça va aller, puis colle tes pieds. 3, 2, 1. Oui, monsieur. Beau travail. On lâche pas. High knees. 2, 1. Come on. Je le trouve bon ce matin. Je sais pas si c'est moi, là, mais je trouve qu'il est ouf. Comme Nicolas disait, hein, ça rentre au poste. Je sais pas, il me semble qu'il est bon. 3, 2, 1. On retourne. Leg raise. Come on. 2, 1. C'est bon. Vide l'air. Come on, 15 secondes. Colle tes pieds. Lâche pas. 10. Expire. 5. 3. 2. 1. Oui, monsieur. Good work. Good work. Course. Wouh! 3. 2. Let's go, mon athlète. 1. C'est parti. C'est le dernier. On finit la troisième période en force, OK? À 10 secondes, tu sprints. 10, go, let's go. Oh ouais, let's go. On finit ça le plus rapidement possible. Come on. Le plus rapide, plus rapide, plus rapide. Let's go. Come on. Woo! Yes, sir. Yes, sir. Oh yeah. Grosse fin de deuxième période. 2, 1. Oui. Yes! OK, on prend une petite gorgée d'eau. On s'essuie un peu. Parce que je suis sûr que toi aussi, tu dois être mouillé un peu. Je suis certain. Puis, on va entamer la troisième période. Là, je vous le dis, la troisième période n'est pas plus facile. Vraiment pas. On commence avec Mountain Climber et un nouvel exercice. On va se coucher sur le dos, puis on va faire des butt lift. OK, je te montre ça. Tu sais, j'allais dire tantôt que je trouve ça cool parce que on dirait que chaque entraînement, il a sa valeur ajoutée. Tu sais, ça travaille quelque chose, puis quelque chose qu'on travaille toujours plus dans chacun des workouts. Puis c'est jamais la même chose. À chacun des workouts, ça donne pas toujours le même type de travail. C'est vraiment cool. OK. Là, je parle pour moi, bien sûr, là. Je trouve ça le fun. Good. On se couche sur le dos. Puis là, ce qu'on va faire, c'est on va lever une jambe, puis on va fléchir l'autre. Puis ce qu'on va faire, on va travailler une seule jambe à la fois. Donc, on va faire 20 secondes une, on va revenir après 20 secondes l'autre. Puis ce qu'on va faire, c'est on va soulever le fessier. Tu kicks. OK? Puis ça, c'est un bon exercice pour travailler ischio-jambier et fessier. Puis c'est exactement ça que ça te prend pour patiner. Il y a toujours quelque chose, une corrélation avec ton hockey
parce que moi, j'ai envie de faire de toi le joueur de hockey que tu as envie d'être. C'est ça le but. OK, donc on repart avec Mountain Climber, les mains au sol, puis on court. Puis l'autre, butt lift. OK, es-tu prêt? On part ça avec Mountain Climber dans 3. Let's go, grosse troisième. 1, c'est parti. Épaule au-dessus des mains, rappelle-toi, je veux pas voir des bras comme ça, des corps en arrière. Tu restes au-dessus, tu fais un gros appui dans tes mains, tu pousses dans tes mains, tire les genoux en ligne droite en dessous de toi, puis tu veux pas aller trop profond, juste en ligne avec tes hanches. 3, 2, 1, good. Maintenant, tu te couches sur le dos, puis là, je veux que tu gardes ta tête, tes épaules bien appuyées. On y va avec la jambe gauche, lève la jambe droite, 2, 1, pousse la fesse, descend. Pousse la fesse, ouais. Puis pousse dans ton talon, pousse dans le pied. Pfff, tu veux pousser haut. Hop, good. Garde tes yeux au plafond tout le temps. Garde ta tête couchée. Tu veux pas te faire mal au cou. Good job, 2, 1. Oui, yes. Good job. Très bon, mon athlète. OK, Mountain Climber, 3, 2 et 1. C'est reparti, tire. Good. Come on, come on. 14 secondes. Respire. Good. 5, 3, 2, 1. Oui, monsieur. Jambe droite au sol, jambe gauche dans les airs. On lâche pas, la tête bien appuyée. Dans 3, lève. 1, let's go. Push. Push. Come on. On veut pas aller trop vite. Tu restes une petite fraction de seconde en haut. Good job. 5 secondes. Good. Oh yeah! Hey, c'est bon. Très bon ça, mon athlète. OK. 3, 2 et 1. Let's go. Come on, come on. Lâche pas ça, lâche pas ça. Come on. Keep it up, keep it up. 6 secondes. 2, 1. Oh oui. C'est beau ça. On retourne au sol. Lâche pas. Jambe gauche, jambe droite soulevée. Good. Puis pousse fort avec ton talon, même tu peux. Garde ton pied tout au sol, puis essaie de pousser avec tout ton pied. Talon, orteil, essaie d'appuyer tout au sol. Push. Push. Good job. 2, 1, oui. Woo! Yes. Très bon. Mountain Climber. Let's go, les athlètes. On est solide. C'est parti. Lâche pas. Good, c'est le dernier, celui-là, je pense. Ouais, good. Tire les genoux en ligne droite. Ouais, tu veux pas venir tout croche, là. Puis pendant qu'il y en a un qui tire, l'autre pousse. Garde les épaules au-dessus des mains. Come on, reste fort, reste fort. Oh my God. Oh my God, good job. Let's go. Pied droit au sol, jambe gauche soulevée. C'est parti, good. Même chose, pousse avec tout ton pied. Tu vas voir, c'est pas évident. Puis pousse avec ton fessier. Oui, good. 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 Comme si tu voulais pousser ton bassin. 2, 1, yes. Woo! Good job. C'est beau ça. Beau travail, mon athlète. On vient de rentrer un nouvel exercice dans notre entraînement. Ouais. On a bien fait ça. On continue avec Turkish Get Up. Ben oui, Turkish Get Up. Là, mettez-moi pas des petits bonhommes fâchés. Le monde, il pense que vous êtes fâchés dans ce temps-là. Ils comprennent pas ce qu'on fait s'ils n'ont pas vu la vidéo. OK. Ensuite, on va faire Ice Skater. OK? Donc, je veux avoir un beau saut. Je veux, quand tu arrives de l'autre côté, on patine. Donc, je veux te voir amortir. Je veux pas juste te voir te gambader d'un bord puis de l'autre.
Ça va? Je veux vraiment que tu descendes. Pousse, amorti, pousse, amorti, puis une bonne poussée. T'es prêt? On part avec le Turkish. On est bon. OK, guys. 3, 2, 1. C'est parti. Good. Let's go. On redescend. Good. Ah ouais, come on. Hop. C'est pas super, je suis content. Vraiment. Let's go. 8. Come on. 5. 3. 2. 1. Good job. J'ai dit ice skater. Good. 3. 2. Et 1. Let's go. Come on. Lâche pas. Yes. Amorti comme il faut. Tu vois, j'ai pas le choix d'aller doucement pour amortir. Même chose pour toi. Fais la même chose. On veut pas passer tout droit. Si tu passes tout droit, c'est parce que t'amortis pas assez bien. Lâche pas. Good job. Ah! OK, on retourne au Turkish. Ah, je suis content. Pas trop mal. Parce qu'il y a rien de pire, là. Go! Il y a rien de pire, là, pour un athlète ou quelqu'un qui est actif d'être blessé. C'est la pire affaire que tu veux. Tu veux pas qu'il t'arrive, tu sais. Parce qu'après ça, t'es limité, tu peux pas bouger. Tu peux plus faire la même chose. Fait que c'est pas cool. Alors, faut faire attention. 2, 1. Ça arrive, là. Pas le choix. Ça arrive au même. Come on. 2, 1. Come on. Mais il faut limiter nos chances de blessure. En fait, c'est pas une chance pendant tout. Nos risques. Good. Patine. Bouge les bras. Oui, c'est important. Push. Push amorti. Push amorti. Yes! Beau travail, on lâche pas. Il en reste 2 de chaque. Come on. 2. 1. Yeah! Hop! Let's go, mon athlète. Good job. All right. Expire. Quand tu te lèves, expire. Faire une bonne flexion du tronc. Come on. Yes, comme ça. Lâche pas, mon athlète, t'es bon. 5, 4, 3, 2 et 1. Wouh! On est bon. Lâche pas. 2, 1. Ice skater. Pousse. Exact. Pousse. Pousse. Lâche pas. Come on. Good. Pousse. Amorti. Yes. Amorti. Push. Push. Good. Good. Je vais moins haut pour moi, mais je vais rapidement. Ce qui fait que ça me force à quand même amortir. Turkish. C'est parti. Dernier Turkish. Let's go. On se donne. Good. L'autre côté. Good. Lâche pas. Good job. 8 secondes. Je suis content parce qu'à force d'en faire, je m'en viens moins pire de mon côté qui était super faible. Tu vois, à force de travailler, on est capable. OK, ice skater, 3, 2 et 1. Let's go. Good job. Lâche pas. Puis j'aime ça, même moi en tant qu'entraîneur, de me pousser à faire des choses que je suis pas nécessairement à l'aise. Good job. Oui. Woohoo! Good work. On va faire un petit knocker. Boom! Beau travail. OK, dernier. On va avec. On va faire sit-up et on va faire frog jump. Là, frog jump, moi, je te garantis rien, mais je veux que tu ailles porter tes mains au sol quand tu vas descendre et je veux que tu sautes, ah ça va bien, légèrement du sol. Je veux pas que tu sautes haut, je veux que tu n'arrêtes pas d'amortir puis de sauter. C'est bon? Donc, sit-up, puis les sit-up, on va le faire avec les genoux fléchis, puis on garde les jambes comme ça. On garde les jambes dans cette position-là. Ça va, t'es prêt? Allez, on lâche pas, on est bon en temps. Colin, let's go.
Dans 3, on va avec setup. 2, 1. Comme si on lançait le ballon. Redescends doucement. Vide l'air. Redescends doucement. Good. Alright, garde les genoux fléchis. Essaie de garder tes talons au sol. Good job. Good. 3, 2, 1. Ouais. Puis ce qui est important, le bas, le haut de tes fesses, il faut qu'il reste toujours au sol. Tout le temps. Si tu te déplaces, c'est parce que tu ne bouges pas bien. Il faut que tu gardes ton bas de dos. Essayez de garder ton bas de dos appuyé. Come on, un petit saut. Ça va bien, ça va bien. Je suis capable. Hey, je suis content. Je suis capable de faire. Je suis capable de faire tout avec toi. Good. Come on. C'est ton énergie qui m'a aidé. Yes. Yes. Merci. Merci de ton énergie. Ah, come on. C'est le même. T'es un leader. C'est ça, un leader. Ça prêche par l'exemple. Ben, t'es tellement bon que ça me donne le goût de me donner, moi, avec. Même chose. Ah ouais, lâche pas. Good, vide l'air. 3, 2, 1. Oh yes! Good job. On va en grenouille. 3, 2 et 1. Let's go. Good job. C'est ça, on expire. Yes. Lâche pas. Puis essaie de, quand tu redescends, tu vas amortir sur tes orteils. Tu vas amortir sur tes orteils, mais je veux que tes talons, quand même, touchent au sol. Let's go, sit up. 3, 2, 1. On vide. Hop. Good job. 15 secondes. Puis oublie pas, quand tu descends, je veux que tu déroules. Pas que tu te laisses tomber. Puis de cette façon-là, t'as moins de chances de bouger. Yes. Good work. Dernier frog jump, je pense. Non? Non. Avant-dernier. Go. Good work. C'est ça. C'est tes hanches qui doivent descendre. Pas ton haut de corps, OK? Ça, c'est pas la même chose. C'est tes jambes qui forcent. Good. OK, sit up. Ça va bien, celle-là? 3, 2, 1. Let's go. Oublie pas d'expirer. Good. Expire en montant. Good. 7 secondes. Oh, mon athlète. 3, 2 et 1. Good job. Let's go, c'est le dernier. 2, 1. Come on. Yes. Come on, keep it up. Lâche pas ça. 5 secondes. 3, 2, 1. Wouh! Wouh! Grosse troisième période. Good job. Oui, monsieur. OK. Je sais que là, les mêmes que d'habitude vont vouloir une prolongation. Alors, ce qu'on va faire, on a le temps, on s'en tape un dernier. On va faire position push-up. Et là, il faut que tu ailles toucher tes pieds avec ta main opposée. Ça marche? Donc, tu es en position push-up. Puis là, ton pied gauche, faut que tu donnes un coup, puis tu vas aller toucher ton pied avec ta main opposée. OK? Puis quand on se relève, on va faire un petit coup d'agilité. In, in, out, out. Rentre, rentre, sort, sort. Ça va? Comme si on avait une petite ligne. Mais oui, prolongation. Gang de machines. Ah ouais, on lâche pas. On repart tout de suite.
avant que Facebook nous coupe. Dans 3, 2, 1, planche, touche ton pied. C'est ça, pied opposé. Prends le temps de revenir avec ta main au sol avant d'aller avec l'autre. Là. Parce que si tu vas trop vite, c'est dangereux. Good. Pour pas te virer un poignet. 3, 2, 1, good job. Pied large, rentre, sors. T'es prêt? 2, 1, let's go. Ah ouais, let's go les athlètes. Let's go mes athlètes. Ah ouais, come on la machine, t'es capable là. Yes. Ah ouais, lâche pas ça. Come on. Yes. Good job. OK, on se replace. Position push-up. 4, 3, 2. Va toucher à tes pieds. 1. Good. Comme ça, doucement. Good. Oh my God. Pas facile. Pousse dans ta main qui est au sol tout le temps. Puis essaie de pas trop pencher ta tête pour regarder tes pieds. Pas facile, hein? Come on. 3, 2, 1. Let's go. On n'est pas des lâcheux. Hein? On est capable. Ah ouais, lâche pas mon athlète. Come on. On est ensemble. Let's go. On est bon. 3, 2, 1. Yes! Good job! OK. 5 secondes. Let's go. 2, 1. Come on. Lui, il a l'air de rien, mais il est dur. Good. Puis si c'est trop dur, là, tu peux aller, vas-y, toucher tes genoux à la place. C'est pas grave. Le but, c'est toujours être en déséquilibre puis d'avoir toujours juste 2 points. Toujours juste 2 points d'appui au sol. Yeah. 3, 2, athlète. SAQ. Speed. Yes! Ah ouais, come on. Lâche pas ça. Bouge les bras, puis bouge tes pieds. Good work. Ah ouais, come on. Oui. OK, oui. Un check. Let's go. On achève. 3. On va gagner ça, ce game-là. Good. Come on. Lâche pas. Yes. 5 secondes. 3, 2, 1. Youhou! Le pire est fait. Oh oui. Le pire est fait. Oh my God, vite. Vas-y. Je m'en viens. Good. Problème technique. Let's go. Lâche pas, mon gros. C'est le dernier. Come on. T'es capable. 5 secondes. Come on. En échappé. Et lance. Et quand. Woo! Good job, la machine. Good job. 2, 1. Celui-là, c'est le son de l'accomplissement. Parce qu'on a fait tout un job, guys. C'était vraiment bon, vraiment intense. Beau travail. Super job. OK. On part. Stretching sans plus tarder. Come on. Puis pendant ce temps-là, je te parle du prochain workout. Fait que t'es mieux de rester là. OK. On se place en T. Amène ta main droite à côté de la poitrine. On y va. Donc, prochain workout. On est rendu au numéro 31. Je voulais faire ça à 30, mais je savais pas si ma jambe était pour durer. On vient de l'autre côté. Prochain workout, c'est comme si aujourd'hui, on venait de finir la saison. Puis là, on s'en va jouer en playoff. On s'en va jouer en série.
Et le prochain workout, tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. Ça va être intense, pas à peu près. On étire en avant et il y aura plein de choses à travers cet entraînement-là. La seule chose que je vais te dire, c'est que ça va être un circuit. Ça, c'est sûr. Fait qu'on va avoir 10 exercices. Puis maintenant, ben, tu verras ce qui va se passer pour le reste. La seule chose que je peux te dire, c'est pour le prochain entraînement, on revient. Sois très en forme. Fais un beau dodo. Ouais, bois beaucoup d'eau. Nourris-toi bien. Parce que jeudi, à 10h du matin, ça va se passer. Fait que c'est un rendez-vous. J'espère que tu vas être là. Première game de playoff. On va voir comment ça va se passer. Parce que j'ai décidé ça aussi, change de côté, parce qu'on ne sait pas ce qui arrive avec le confinement. Puis je ne sais pas si je vais être en mesure de faire des lives aux deux jours comme je fais là. C'est sûr que je veux continuer à en faire. Mais je sais que toi aussi, tu vas commencer à t'occuper. Si on commence le déconfinement, bien, il y a des choses que tu vas faire. Tu ne seras pas toujours disponible. Puis, moi, de mon côté, je vais commencer aussi à être plus occupé avec les athlètes qui vont se mettre à sortir. On revient, on va aller changer de jambe. On tourne, on va aller faire le fessier. Donc, avec les camps qui vont commencer, c'est plate, peut-être qu'il n'y aura pas de hockey cet été, mais c'est pas grave. Perds pas espoir. Au moins, on s'en va dans la bonne direction. Puis, c'est une bonne nouvelle pour nous. Puis, si on commence la saison, moi, je pense que la meilleure façon, c'est pas faire de match du tout, puis de travailler sur toutes tes habiletés, parce que tu n'auras pas eu le temps de pratiquer ça cet été en patin, etc. Tu n'auras pas le temps. Tu sais, tu as bien beau le faire sur ta glace synthétique, on s'allonge, mais c'est clairement pas la même affaire. Tu as beau shooter des rondelles, c'est correct, tu pratiques tes lancers, mais quand tu vas arriver sur la glace, ça va faire du bien. C'est carrément nouveau, ça glisse plus que ta glace synthétique, puis en même temps, il y a plein d'autres aspects. Pas longtemps qu'on n'a pas patiné, tu comprends? Fait que je pense que ce serait un bon point, ce serait une bonne chose, ça c'est mon avis. Fait qu'on va voir ce qui va se passer. Mais bref, désespère pas. Si t'es là, avec moi en ce moment, bien, c'est parce que t'es un vrai joueur de hockey. Ça te tient à cœur, puis t'as le goût. Puis tu veux te mettre en forme, puis tu veux garder la forme, puis tu veux être meilleur, etc. Fait que c'est tout en ton honneur, puis garde la tête, garde ton mindset, G3, puis reste motivé. Puis garde, là, OK, ça va venir, c'est pas grave. C'est pas terminé à jamais, là. C'est une situation qui est hors du commun. Fait qu'il faut avoir une attitude hors du commun. Puis il faut faire avec. Puis il faut dealer avec ça, puis fort. Il faut rester fort. Fait qu'on lâche pas. Jeudi matin, 10h, première game de playoff. Sois prêt. On va chercher les orteils, on finit ça avec ça. On s'étire comme il faut. Moi, je vais être en feu, je te le dis, là. Je te le dis, là, je vais être en feu. On revient. Good job, les machines! 1, 2, 360! À jeudi, passe une merveilleuse journée. Lâche pas, puis à jeudi matin. Salut!